Coucou tout le monde! Tu veux du coucou mon chat? Oh, tu veux du coucou mon chat? Non, tu veux pas. Bon. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis super contente de revenir dans cette nouvelle vidéo. De dire quelque chose, je n'ai pas entendu. Mais j'ai pas dit ok Google. Ah bah super, je recommence tout. Tais-toi. Oui, il s'est activé, mais il est fou. Il déconne le téléphone. Hein. Pourtant, il est tout neuf. Bon bref, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de revenir dans cette nouvelle vidéo, je peux enfin revenir, ouais. J'ai toujours pas récupéré mon PC, hein. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur c'est mort. Enfin c'est pas mort, mais pour l'instant c'est mort. Mon cher ami m'a dit qu'il pouvait tout récupérer, mais vu qu'il n'y a pas assez de place dans son PC pour stocker, il faut quand même qu'on achète un disque dur. Faut qu'on achète un disque dur externe plus un disque dur pour mon PC, parce qu'apparemment mon PC fonctionne encore. Enfin bref, j'ai pas envie de vous faire chier avec ces histoires, c'est débile, c'est chiant. Laisse tomber, bon dans tous les cas je suis de retour quand même. J'utilise le PC à mon chéri en attendant, quoi, c'est tout. Il est pas très content, mais bon, on fera avec. Hein. Ah, j'ai quand même hâte de pouvoir travailler pour pouvoir m'acheter un vrai PC, parce que là, c'est plus possible. Puis même, j'ai plein de choses à acheter aussi en polymère. J'aimerais bien m'acheter un heat gun, rien que ça, un petit heat gun, ça serait trop fort, j'en ai pas. Le resin pad aussi, j'aimerais bien. Les ball tools, les outils avec le silicone au bout, là, je sais pas comment il s'appelle, ceux-là. J'aimerais bien aussi de quoi poncer ou polir, parce que pour l'instant mes créations elles restent brutes de chez brut. Ouais, bref, il y a plein de choses que j'aimerais m'acheter, mais pour l'instant c'est pas possible. Tant que je travaille pas, c'est pas possible. Pourquoi je raconte ma vie? Moi je suis folle. Ouais, c'est cool. Bon bref, donc je reviens dans cette vidéo pour vous montrer mes créations du mois d'octobre. Je suis complètement perdue là. Oui c'est ça, c'est le mois d'octobre. Hein. Donc voilà, les mois d'octobre, j'en ai pas fait énormément parce que j'avais pas trop le moral, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Donc j'avais pas trop envie de faire quoi que ce soit. Mais bon, j'en ai fait quand même un petit peu. Alors je vais essayer de pas trop parler parce que sinon je vais encore perdre du temps. Je vais quand même vous dire des petits trucs par rapport aux vidéos. Du coup j'ai beaucoup de vidéos à rattraper parce que j'ai du retard. J'ai la vidéo du concours justement, donc je vais la filmer là dans les jours qui suivent et vous l'aurez la semaine prochaine. Je lance enfin le concours. Par contre, c'est un petit concours. Je pensais que ça serait un gros concours. Mais au final, non, il n'y a pas tant que ça. Donc ça reste un petit concours quand même. J'espère que ça ira. J'ai décidé de changer les règles du jeu. Mais ça, je vous en parlerai au moment venu. J'espère que ça ira aussi. Ça, j'ai un peu peur. On verra bien. J'ai la vidéo aussi de la proposition d'échange. Vu qu'il me reste encore des trucs à échanger, il faut que je vous fasse un petit récapitulatif de ce qui me reste. J'ai la vidéo de création en résine aussi, qui date du mois d'août. Oh putain. Je suis carrément à la bourre, on va voir que je me dépêche. J'ai tout aussi tous les tutos qui ont été supprimés, que je dois refaire. Je vais pas m'en sortir, en purée. Je vais, chaque chose en son temps, hein. M'en demandez pas trop à la fois non plus, hein. On va y aller progressivement. Allez, bon, allez, vas-y, c'est bon, j'arrête, blablabla. Oh, qu'est-ce que je suis chiant, putain, c'est pas possible. Oh. Oui, j'arrête. Hein. Bon, bref, je vous montre mes créations du mois d'octobre. Et puis, c'est parti. J'ai classé ça sur 5 catégories. Et puis, c'est parti. C'est parti. Donc, pour commencer, j'ai fait des bijoux sans fibou. J'avais envie. J'en ai fait 4, 5. Bref, voilà. Donc déjà, j'ai juste un petit bracelet comme ça, tout en bleu. Il y a 3 rubans bleus différents. Un en coton. Je crois que c'est du coton. Un en organza et un en suédine. Et dessus, il y a une petite perle. Et un papillon, j'adore, c'est la perle. Et une petite perle tachetée comme ça, toute jolie. Le petit papillon, il y a une extension de tienne avec une perle au bout. C'est bref, c'est tout en bleu. Un bracelet tout bleu, tout bleu. Dans la boîte. Je range tout en même temps. Ensuite, j'ai fait un espèce de dream catcher, si on peut dire ça comme ça, sur une estampe. Rosace. Ouais. Une estompe. Ouais, c'est une rosace, non? Voilà. Bref, là, j'ai mis une petite cage à perles que Céline m'avait offert et j'ai mis une perle galaxie que Aude m'avait offert. J'adore les petites perles galaxies. Ils sont trop mignonnes. En fait, là, c'est un dream catcher, entre guillemets, sur la galaxie. Parce qu'après, là, au bout, j'ai remis les perles galaxies, les mêmes. Et il y a plein de petites étoiles.
Là, il y en a des tout très kiki. Putain, je suis vachement loin là. Ouais, elle est toute petite et là, elle est la grosse. Voilà, un petit Dreamcatcher façon Galaxy. Ensuite, dans celui-là, j'ai acheté des très grands anneaux comme ça, des anneaux fermés. J'adore ces anneaux-là. Tu peux faire plein de choses avec, c'est extra. Donc là, j'ai juste fait un petit truc tout simple avec une perle nacrée, une vraie perle nacrée, des plates, des perles nacrées plates. Avec une petite feuille et au bout il y a deux perles nacrées, il y a encore un anneau fermé, puis la même petite feuille quoi. Oh, bref, voilà, un petit truc tout simple. Moi j'aime bien. Voilà. Le dernier collier c'est un Dreamcatcher encore, façon steampunk. Enfin, c'est pas du steampunk, c'est juste des engrenages en fait. J'en ai mis deux sur la chaîne, un espèce de petit connecteur quoi. J'ai fait un Dreamcatcher. Un tour kiki, du coup, ça fait un peu tordu quand je regarde la vidéo, là, ça fait bizarre. Et au bout, j'ai remis des engrenages, il y en a trois, puis des perles et puis une plume. Voilà, juste comme ça. Ensuite, après, je me suis amusée à faire plein de... On voit même plus, je suis plus cadrée. Hop, on remonte un peu. Des bijoux de sac. Donc celui-là, c'est pareil, il n'y a pas de fimo à l'intérieur. C'est sur le thème des papillons et tout en bleu et vert. Qui est le support câblé avec un cabochon papillon. J'ai des petites perles, les mêmes petites perles. Bleu. Bleu et vert. Il y a un gros papillon. Et il y a plein de rubans. Alors ce que j'aime bien faire avec les rubans, c'est mélanger les matières. Bon là j'avais. Je sais pas vraiment. Enfin si, mais en fait, j'ai mis deux en satin puis un en organza. Mais d'habitude, tu sais, j'en mets un en cuir, un en satin, un organza, ou sinon avec de la suédine, ou avec. Enfin, j'essaye de mélanger un peu tous les rubans, parce que je trouve que ça fait plus sympa. Enfin bref, voilà, un petit bijou de sac comme ça. Donc encore dans les bijoux de sac, là il y a un petit peu de fimo, enfin, un tout petit peu. Il y en a un dans le cabochon, puis avec ce qui me restait, j'ai fait une bouboule. Les rubans. Là il y a trois styles différents. Il y en a un organza, un en satin et un à paillettes. Mais et puis merci Marjo d'ailleurs parce que c'est elle qui me l'avait offert il y a longtemps. Donc, c'est super. Il y a des petites perles rose et bronze. Marron. On va dire que c'est bronze. Le petit cabochon avec un pot de. Je sais pas si vous allez voir les effets qu'il y a à l'intérieur. Ça se voit un peu, ouais. Vite fait quoi. Et le dernier bijou de sac. Tout en vert. Donc, les rubans. Donc là c'est pareil, c'est encore trois mélanges de rubans. Il y en a un en dentelle, un en organza et un en satin. Voilà. Il y a les petites perles. Il y a une petite et une très grosse perle. Je les adore ces perles là. J'en ai que deux comme ça. Donc du coup il ne me reste plus qu'une. Là j'ai fait un cabochon vert. J'ai mélangé plein de verres, c'est de l'zinc encore, des feuilles de métal argenté vu de la translucide comme d'hab quoi, et un pompon en suédine. Donc là en fait il y a plein de mélanges de matières quoi, c'est ça qui est rigolo justement. Donc voilà pour les bijoux de sac. Après je me suis étonnée moi-même, je sais pas pourquoi j'ai fabriqué ça, mais bon j'ai dit pourquoi pas, j'ai fait de la gourmandise, non mais c'est un exploit. Et je voudrais me lancer un défi. Je me lance des défis à moi-même, tout va bien, c'est normal. J'aimerais essayer, je dis bien essayer, de faire chaque mois des petites gourmandises. Vu que c'est pas du tout mon domaine, j'essaye quoi. Mais bon voilà, ça donne rien de bien quoi. C'est pourrave ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait tout simple en plus. Ce que j'ai fait juste... Attends, ça c'est une Billy. Tu vas t'en toi. Des cupcakes. Tout simple. Rien de compliqué quoi. Des cupcakes, je trouve que c'est le plus simple à faire. Surtout que t'as déjà la base qui est toute faite, donc après, bah voilà. Donc il y en a un avec des petits pois. Bon, les petits pois, par contre, ils sont pas très beaux ce que j'ai fait. Il faudrait que je les refasse d'ailleurs. Et dessus, j'ai mis des petites roses avec des feuilles. Je les ai tous agrémentées avec un petit nœud en organza. Je les adore ces petits nœuds là, ils sont trop mignons. J'en utilise jamais des petits nœuds. Mais là, j'avais envie. Bref, voilà, un cupcake comme ça. Il y en a un avec une tour Eiffel à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Avec un coulis que j'ai galéré à faire. Ce coulis-là, j'en ai foutu partout, du coup. J'ai trop galéré à le faire, tu vois. Mais c'est dingue, j'arrive pas à faire les coulis. Hein. Faudrait que j'arrive à trouver un bon tuto sur Internet, parce que moi, là, j'y arrive pas. Bon, le résultat, ça va encore, hein, mais... À le fabriquer, c'est... Laisse tomber. Et là, j'en ai fait un tout petit, tout classique. Et pareil, avec le même coulis, la même déco, en fait, parce que je sais rien faire d'autre. Il y a le petit nœud. Et donc, avec celui-là, j'ai fait des plus petits pour faire des boucles d'oreilles. C'est les mêmes, quoi. Merde. Je fais toujours tout tomber, je suis maladroite, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'est assorti. Une petite parure, quoi. Ensuite, bon, tu vois, je l'ai laissé dans son emballage fraîcheur parce qu'en fait, la chaîne, elle arrête pas de s'enlever autour de l'estampe. C'est galère. Les estampes comme ça, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, ces estampes-là. Mais la chaîne, elle s'enroule tout le temps, tout autour. C'est chiant. Voilà, j'ai fait le petit biscuit dans Shrek. Et ce petit bijou-là, j'ai décidé de le faire gagner sur ma page Facebook, si jamais ça intéresse. J'ai pas encore lancé le concours, mais ça devrait tarder, quoi. Donc voilà, avec deux petites perles transparentes. Bon, bref, si le petit biscuit Shrek qui vous intéresse, et bah, vous pouvez le gagner sur ma page Facebook. Forcément, il y a un poil de chat. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, mes chats, ils se foutent partout. Bref, voilà. Attends, je le remets dans son emballage fraîcheur, sinon la chaîne, elle va s'enrouler. Bah voilà. Et bah voilà. Ensuite, voilà, bon, j'aime pas du tout, ça va partir à la... Putain, il m'énerve les poils à la poubelle. Et j'ai fait une bague macaron. C'est la première fois que je faisais un macaron. Donc, il est pas parfait du tout, hein. Il y a plein de défauts. Ouais, j'ai juste fait un demi-macaron, en fait. Voilà. Et après, j'ai fait deux cupcakes encore, mais bah, ils sont pas beaux. J'ai voulu faire des cupcakes ou cookies. Ben, j'aime pas. Là, la chantilly, en fait, j'ai fait non, c'est mort, je refais pas une chantilly, ça me saoule. J'ai juste pris de la peinture. La peinture 3D, là. Et pareil, j'ai pas de comment ça s'appelle, pour faire la chantilly, là, l'embout. La douille, voilà. Ouh, je suis partie loin. Oh, on s'en fout, de toute façon. Allez, vas-y. Donc, ensuite, l'autre catégorie, bah, c'est un peu tout et n'importe nawak. Donc, déjà, j'ai celui-là que j'ai voulu faire un effet mousseux sur la création. Mais j'aurais pas dû rajouter la déco en noir. Ça fait pas joli. Je sais pas si vous allez voir, il y a des reflets bleus et violets, en fait. Enfin, reflets, non, j'ai fait bleu et violet, quoi. Avec la luminosité, il flotte, alors on voit rien du tout. Voilà, peut-être que là ça se verra mieux. Non. Enfin bref, bon, ensuite, là, je sais pas où je suis partie. Un peu dans l'esprit aztèque, on va dire ça comme ça. Avec de la chaîne dorée. J'ai fait ça quoi. Voilà. Voilà, j'ai fait ça quoi, tu vois. Ensuite, j'ai fait encore une petite rose avec des feuilles. Sur une petite estampe fleur. Voilà. Là, j'ai voulu faire un bracelet en dentelle. Effet dentelle. Tout en noir. Petite perle noire. Mais ces bracelets-là, c'est sympa, hein, mais ça casse trop facilement, je trouve. Donc ensuite, je vous ai fait aussi le tuto, là. La petite tête de mort pour Halloween. Tête de mort toute mignonne. Oh, ça y va en plus. Une petite tête de mort sur... Quoi, j'ai essayé de faire mignon pour changer des trucs gore. Parce qu'il y a eu plein de trucs gore sur YouTube. Là. Donc voilà, j'ai voulu changer un petit peu la donne. En fait, je me suis inspirée d'un que j'avais fait il y a très longtemps. Je l'avais fait en rose. Et là, je suis bon, c'est Halloween. Hein, quand même. On va essayer de faire quand même mignon, mais un peu gore. Enfin, pas gore, mais enfin sombre. Voilà. Alors, bref, j'en ai fait en noir. Ouais. J'ai voulu refaire mon effet nacré, mais ça n'a pas encore fait ce que je voulais. Parce que là, j'ai mélangé du bronze et du noir. Ça éclaircit à mort, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des petites bouboules. Il y en a deux bouboules.
Mais j'adore quand même le résultat, hein, ça n'empêche, c'est super joli, hein, mais c'est pas encore ça que je voulais. Et l'autre côté aussi, j'ai laissé tout nu aussi de l'autre côté, parce que j'aimais bien. Voilà, il y a plein de reflets, c'est un truc de folle, quoi. J'adore. J'adore l'effet nacré, mais bah, je contrôle pas encore tout. J'ai fait que celui-là, là. Ensuite, j'ai fait une petite parure. Je vous montrerai les uns après les autres, sinon c'est de galère. Avec... à partir d'une canne que j'ai réalisée en translucide. Oh, bah merde, je vais tout tomber. Donc déjà, il y a le petit collet comme ça. Je sais pas si vous allez voir l'effet translucide à l'intérieur. Ça risque de pas se voir. Tant pis, hein. Il y a la petite bague. Non, ça se voit pas. Et j'ai fait les boucles d'oreilles. Voilà. Donc là ensuite j'ai refait les mêmes bijoux que je vous avais fait en tuto avec l'effet craquelé et l'isine, sauf que cette fois-ci je l'ai fait avec la piñata. J'ai enfin acheté des langues piñata, donc je voulais voir ce que ça donnait avec la vraie technique, parce que normalement ça se fait pas avec l'isine. C'est moi qui ai voulu faire, mais bon, ça marchait. Oui, ça marche bien, mais c'est pas pareil, le résultat n'est pas pareil, parce qu'en fait l'isine c'est assez épais en fait, que c'est compact, c'est épais quoi, alors que les langues piñata c'est vachement liquide, c'est vachement plus translucide. Donc voilà le résultat. J'ai que 4 couleurs pour l'instant. J'ai utilisé les 4 couleurs. Donc du coup ça fait façon... J'ai pris du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Voilà, j'ai que 4 couleurs. Et puis bon, voilà ce que ça fait. J'ai la petite bouboule, bien sûr. Hein, bienvenue les bibillons. Bien évidemment, elle est toujours là, la bouboule. J'adore. Et je trouve que bleu et vert, ça va super bien ensemble. Je trouve que la prochaine fois, je ferai que bleu et vert. C'est beaucoup plus joli. Bon bref, là il y a le collier. Là, j'ai la bague. C'est dingue, en plus c'est la brillance que ça a. Pourtant c'est que vernis, parce que j'ai rien pour poncer ni polir. Et c'est hallucinant toute la brillance qu'il y a, quoi. C'est un truc de fou. Je crois que maintenant je vais faire seulement avec les inks piñata. Bon, quoique j'aimais bien aussi avec les inks. C'est un autre style, voilà. Bon bref, et puis pour finir il y a les boucles d'oreilles. Bon, c'est avec les restes, donc du coup ça fait pas pareil. Ça fait voilà quoi. Et voilà. Et la dernière catégorie, je sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais fait un effet jean. Et bah là, j'ai rénové la même chose, sauf que j'ai fait avec l'effet cuir. Sauf que bah, je trouve pas vraiment que ça fasse cuir. Ça fait... je sais pas comment dire. Moi, bon, j'aime bien, hein, mais c'est... voilà, quoi. Bon, bref, on s'en fout. Je vous montre ça. Donc là, j'ai fait une flèche, forcément. Encore une flèche. C'est la seule que j'ai fait ce mois-ci. Ça fait pas vraiment effet cuir. De l'autre côté, j'ai mis du perlex bronze. Du coup, bah, y a eu des petites taches qui se sont posées dessus. Mais je les ai laissées parce que je trouvais que ça faisait sympa. Enfin bref, voilà, j'ai fait une flèche. Ensuite, j'ai fait une plume. De l'autre côté, j'ai laissé vierge. Là, j'ai mis sur de la chaîne bille. J'ai enfin acheté de la chaîne bille bronze, plus tard que j'en voulais. Là, y a, comme ça, je peux me faire des petits sautoirs en bronze. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, la petite plume. Ensuite... ah, merde, je me suis tiré les cheveux. J'ai fait un plastron un peu style corset. Corsaire. Donc là, j'ai pas fait comme d'habitude. Là, j'ai utilisé une plaque de texture. Donc ça fait pas vraiment cuir, du coup. Sauf de l'autre côté. Bref, voilà, un plastron comme ça. On va dire quand même un effet cuir, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et pour finir, la toute dernière création de tout, après c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est bon. Pareil en effet cuir, j'ai fait celui-ci. Avec, il y a une petite clé qui bougeotte. Et je crois que j'avais posté la photo sur Instagram, et c'est celui-là que les gens ont préféré. L'autre côté, c'est pareil. Voilà, voilà, j'en ai fini, ouais, c'est encore bien plus long que prévu, ouais. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contents que je sois reviendue. Il y en a, ils vont pas être contents, mais bon, c'est pas grave. Au contraire, moi ça m'amuse.
Bon bref, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des tutos, n'hésitez pas à demander, je vous les ferai. Encore plus en ce moment, j'ai plus d'idées de tutos. Donc je suis preneuse, dites-moi. Parce que là je suis carrément à sec, parce que les vidéos que j'avais fait, que j'avais prévu de faire en tuto, et bah je les ai perdues, forcément. Donc je suis obligée de tout refaire à zéro et là j'ai... je sais pas. Je sais pas quoi faire. Faut que je trouve. J'ai des idées de tutos pour Noël, mais bon, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bon, bref, dites-moi, allez, dites-moi tout. Ah, pas de Pokémon, pas de trucs comme ça, moi je suis... pas de trucs de geek, c'est pas mon délire, pas du tout. Bon, bref, allez, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Je l'ai utilisé plusieurs fois, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!